Bonjour à toutes et à tous, c'est Walter63. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme vous voyez, j'ai changé de casque. C'est un Scorpion, le VX15 Gamma. On va dire fluo jaune, rouge et noir mat. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est bon. Et aujourd'hui, on va faire un petit vlog. On va essayer de faire un petit peu plus de technique. Vous m'avez beaucoup demandé ça, mais c'est vrai que c'est assez dur de parler quand on fait du technique. D'une part, parce qu'on s'essouffle. Et de la deuxième part, parce que ça demande beaucoup de concentration. Et c'est pas simple. Donc on va se diriger un petit peu vers un petit endroit que j'aime bien. Pour commencer, ce sera pas du technique, on verra si on peut y aller. Si vous voulez, c'est un endroit où il y a quelques petites pierres, tout ça. Donc on peut faire des petits sauts. C'est assez sympa, enfin moi j'aime bien. Alors là, j'ai investi dans une GoPro Session, malheureusement. Je me suis changé et vu que j'étais habillé, j'ai pas pu aller chercher une autre attache GoPro. Donc si vous voulez, en fait, vous voyez peut-être d'un peu trop près, je suis coupé là ou je sais pas. Donc c'est pas le top du top, mais je vous rassure, la prochaine fois ce sera bien bien fait. J'ai donné mon avis en attendant sur la GoPro Session. Et franchement, moi j'adhère particulièrement bien, elle est toute petite. Elle a le mode Super View et ça c'est le top du top. Parce que mon ancienne GoPro, donc la Hero 3 Black, celle qui appartient maintenant à Guigui, si vous voulez, elle a pas ce mode. Du coup, c'est encore pire parce que l'angle est tout petit comparé, même si ça reste un grand angle. Ça cache, je trouve, le charme. Donc le Super View c'est top. Et surtout, elle était pas chère. Donc j'ai eu à 196€ il me semble. Donc là, je trouve que c'est vraiment intéressant pour une caméra qui peut filmer en 1080p 60fps, qui est toute petite. Et bien sûr, bah après, c'est une GoPro, donc c'est de la marque, c'est le top du top. Mais si c'est pas le haut de gamme, ça reste quand même très très fiable. Au moins, on est sûr qu'on a de la bonne cam, quoi. Petit jeu de mots, excusez-moi. Cam, yeah. Toi-même, tu sais. Alors, hop. Il y a un truc que j'ai jamais fait avec une caméra sur mon guidon. Bon, ça patine un peu. Mais sinon, ça m'a l'air bien. Hop là, bonjour madame. Toujours faire gaffe avec les marcheurs, à ne pas arriver trop vite. Ah, je vous ferai aussi un petit test du 2,5. Et ça, je vous l'ai promis, je préfère encore attendre un petit peu. Parce que je préfère être objectif, parce que c'est sûr que quand on a une nouvelle moto, comme j'ai peut-être pu le dire, forcément on la trouve tout de suite trop bien. Alors que forcément elle a des défauts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, on va pouvoir. Regardez, il y a tous les chiens qui arrivent. C'est pas que je les aime pas, mais à chaque fois, en fait, si vous voulez, ils se mettent tous autour de moi. Et c'est un peu la galère du coup. On a un peu de mal à rouler, quoi. Mais sinon, vous inquiétez pas, ils m'ont jamais mordu rien du tout. Donc, tout va bien, Tintin. Faut faire gaffe parce qu'il a bien plu. Et du coup, les pierres sont bien glissantes. J'ai failli me vautrer juste avant de mettre la caméra. J'ai voulu freiner, ma roue avant a complètement dérapé. Hop. Alors on va revenir par là. On va faire un petit tour. Hop. J'espère aussi que vous avez apprécié le dual vlog. Alors ça change, hein, c'est sûr. C'est peut-être un peu moins ennuyant. Mais le truc c'est que c'est assez difficile de faire une vraie balade enduro en dual vlog. Donc forcément, faut se prendre une petite après-midi pour se faire un dual vlog comme ça, en dehors des balades et tout. Je crois que j'ai accroché une branche. Où c'est que je vais, je ne sais pas. Il faut que je retrouve le chemin. Alors le chemin, où est-ce qu'il passe? Il est là ou il est un peu plus loin, je ne sais pas. Ah, il est là.
Donc je sais pas si vous entendez, mais la réponse est oui, ça glisse. On essaie de lever les fesses le plus possible. Attention. Un peu plus de végétation que prévu. Et surtout, là, ça a pas mal changé. Ah ouais. Bon, on va éviter de se casser la gueule, donc écoutez. On va faire le petit kiki. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une branche qui me passe entre la jambe. Bien sûr, il fallait que il y ait encore des arbres en plein milieu. Ça pique les gars, ça pique sévère. En plus ça m'a décagné le protège-main. Je suis accroché de partout. C'est pas de tourpeau, hein. Je vous le dis. Hop. Le truc c'est toujours garder un peu de vitesse. Éviter de bloquer les roues. Ça aide beaucoup. Beaucoup beaucoup. Hop là. Il y a une belle petite descente, même si elle est large, elle descend vraiment pas mal. Hop là. Hop. Je me rassois un peu pour que vous voyez ma petite tête. Alors là, on va utiliser le bon vieux frein moteur. Wow. Presque chute. Hop là. Alors là, ce qui galère, c'est que voilà, il y a un petit dévers. Et là, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Oh putain, oh, comment ça glisse les gars. C'est du violent. Hop là. Donc là en fait, si vous voulez, pourquoi je me décale à gauche? Parce que ma roue arrière va toute seule à gauche. Salut. YOLO SWAG.